Et salut, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Rocket League! Un compagnie d'Overlord. Salut Firefly! Je vois que t'as une nouvelle voiture. Qu'est-ce que c'est-à-dire que ceci? J'ai craqué, j'ai fait mon pigeon. J'ai fait mon petit pigeon, ce qui fait que j'ai pris la tuture qui s'appelle la Reaper. Hein, voilà. Moi aussi j'ai fait le pigeon. En hommage à mon vieux texte. Ah oui, t'as fait le pigeon toi aussi, oui. On a fait nos pigeons. Et du coup. Bah oui, il y a des promos sur Steam. Avant qu'on tourne l'épisode, on a fait. Oh, mais il y a des promos sur les voitures. Bah allez. On a horriblement craqué notre pognon. On fera un épisode découverte des voitures qu'on vient d'acheter. Voilà, épisode spécial pigeon. En attendant, vous êtes ici pour du match. Vous êtes ici pour de la compète. Firefly, envoie. Attends, parce que du coup, il faut que je recustome toute ma voiture. Ouais, moi aussi, d'ailleurs. Parce que j'ai juste voulu montrer la Batmobile, mais il faut tout refaire après. Faut que je mette mon béret, moi, pour ma part. Moi, j'ai mis l'auréole, c'est bon. J'ai mon béret avec le drapeau français. Hein, faut bien faire beauf. Voilà. Et tu as des lamelles pour te blender, au cas oui, où. Absolument. Et oui, je vois qu'elle est pointue au bout. Oui, effectivement, tu dois être un peu plus précis. Oui, la Takumi est pas mal aussi pour ça. Hein. Plus la tienne que la mienne, je pense, en précision. Oui. Mais nous allons voir ça tout de suite avec vous, les chers viewers, lors du premier match. Et on est contre deux pros. Deux pros, ok. On va bien voir. Ça va le faire, ça va le faire. On a fait quelques matchs en classé habituel. Hein. Vous connaissez Overlord, il a voulu faire les échauffements. Ah bah toujours, toujours. Alors, je vais tenter un truc. Non, c'est dommage. Je t'ai pas passé loin. Hop, c'est bon, je suis en défense. Alors, si on a prévu un épisode spécial pigeon, en attendant, l'objectif de cet épisode, chers amis, est... Ça va être de faire 3 victoires. Oui, mais ça va surtout être de te faire passer en challenger. Ah, c'est jouable. 3 victoires, c'est jouable. Ah, dommage. Ok, ah, mais je le sentais, j'étais mal placé. Voilà. Tu vas la retomber. Ok, en tout cas, j'apprécie beaucoup ce véhicule, en tout cas. J'en suis fan, ce n'est qu'à ma deuxième, troisième partie avec, mais je suis absolument fan. Tu es un peu court. Ouais, reste au centre. Ah, il me fallait du nose. C'est dommage. Un bon petit début de partie. Les adversaires qui répondent, ça fait plaisir. Hop. J'aurais pas. C'est pas mal. Oh, j'ai eu de la chance. Je vais me replacer pour le centre. Vas-y. Décidément. Personne ne me touche. On va y arriver. Je t'ai contré un petit peu. Je suis à la retomber. Oh là, quel baston. Il a récupéré. Dommage. Et ça dégage. Ça dégage. J'ai fait un front kick avec le joueur et avec le ballon. Dommage, ça n'a pas bourriné pour moi. Décidément. Je suis à la récupération du ballon, voilà. Je prends du nose et comme ceci. Voilà, ça c'est un beau centre pour toi, ça. Mmh, ah, dommage. Je l'ai touché, mais c'est dommage, mal. C'est dommage. C'est pas grave, c'est j'étais pas grave. Un peu loin. C'est un beau jeu. C'est au-dessus. Voilà, c'est bon, j'ai eu un arrêt. Ah, bon compte. Merci. Bon, le jeu est bien dynamique là pour cette première partie, chers amis. Les joueurs sont bons, il y a un bon jeu. On est à peu près similaire hein, au niveau des strats. Au niveau des strats et des qualités, des compétences des joueurs. Donc c'est très intéressant à voir. Firefly est à la manœuvre. Ah, dommage. Contre, vous voyez, il joue groupé. Hein. Oui, toujours. Mais nous aussi, on s'est aperçu, on faisait souvent cette remarque. Je suis à la récupération. Voilà. On s'est aperçu qu'on avait le même défaut. Moins, mais on l'a toujours. Hein. Alors qu'on y fait gaffe. Attention, je vais tenter. Non. J'ai oublié de sauter, putain. C'est pas grave. C'est cadré, fais un truc. Fais un truc aussi. Oh, génial. Voilà. Très bien joué. Vous voyez l'intérêt de travailler à deux et de communiquer. Ah, top. Oui. Ah oui. Oh la chance. Ouais, du coup, j'en profite pour troller tout de suite. Alors, on va analyser ça. Je tiens à dire que je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai mis ma voiture de biais, donc accidentellement. Mais effectivement, à l'avenir, si vous avez ce réflexe, faites-le. Je viens de l'apprendre avec vous. Ça peut être très utile. Ouais, parce que s'il le retouche, je suis dessus, si tu l'attends. Ah, désolé, mais j'avais pas le temps de... Il fallait que...
Je retourne avec elle. Que je tente. Je suis dessus. Ouf. Oh. Pardon. C'est très 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 bien joué de Firefly. Je suis dessus. J'attends, je ne sais pas ce qui m'a fait, mais... Attends. Je suis désolé. Oui, effectivement. Hop là. Aïe. Je l'ai payé de ma vie, mais j'ai contré ce ballon. Voilà. Oula, si on essaye de faire exactement le contraire. Hop là. Ok, on y est. Tu contres. Parfait. Je te fais même un petit saut du caribou pour t'esquiver, tu vois. Petit hop. Non. Interesting story, bro. Et il m'a lobé. Évidemment, forcément. Il a parfaitement raison de faire ça. Bon, petit message. Match tranquillou. Très bien joué de la part de Firefly. Je savais pas si t'étais derrière. Non. Il carrait la game. J'étais dessus, mais t'as joué la sécurité. Tu as bien fait. Hop. Voyons, on se prend pas la tête. Chacun a sa place. Et on y reste. Et les joueurs en face commencent à s'énerver. On le voit, hein, puisqu'ils commencent à bourrer. C'est un bon signe pour nous. Voilà. Maintenant, j'ai fait mon taf. Je rentre. Hop, Firefly à la récupération. Ouais, je suis toujours en défense. Voilà, j'ai bourré le joueur au lieu de jouer le... Ah, je me suis fait défoncer. Comme quoi, il commence à s'énerver. Voilà. Pour la peine, je place le danger de leur côté. Non. Non, c'était pas jouable. C'est dommage. Et c'est une première victoire. Eh oui. On commence bien. Division 5. Division 5. Ah, bah écoute, si on a des victoires encore une fois, cette fois-ci, on va peut-être te voir passer, Challenger. Oui. Bon, en tout cas, c'était une partie qui a été très disputée quand même. Hein. Malgré que ce soit deux pros, hein, encore une fois, la signification de pro, vétéran, expert, etc. ne veut rien dire. Une personne peut être talentueuse et se mettre à Rocket League depuis avant-hier. Ça sentira. Le talent se sentira... à un moment ou à un autre. Ah. En tout cas, si vous regardez ces vidéos et que vous tentez à Rocket League, vous apercevez que vous avez du talent, eh bien, ne lâchez rien. Oui, accessoirement. Avec une petite vidéo là, d'un match ou d'un move. Ah oui, n'hésitez pas. Ça peut nous faire kiffer. Ok. Aïe. Donc tout à l'heure, le bleu m'a attaqué. Ok. Voilà, ça c'est de la maîtrise. Maîtrise amortie. Et on joue encore contre les mêmes, je crois. Ah oui ? Non, pas du tout. Si. T'inquiète. Non. Double D, mais c'était pas les mêmes que tout à l'heure. Je te parlais du. Le... Non, je crois que c'était par rapport au mouvement quelque peu foireux que j'avais fait. Oh là là, oh dommage. L'anticipation. Oh là là. Par contre, s'il bourre, ça vite. Ouais, ça donne. Attention, c'est cadré. Voilà. Oh. Je commence à m'y faire maintenant, à force de faire les vidéos avec vous, chers amis, à la fois commenter et jouer. Oh bah, ça... Oula. Oui, bah force, on commence à avoir le coup de main. Oula. Oui, ouh. Ouh, c'était... Mince, j'ai oublié de sauter pour le lobo. C'était pas cool. Et but. Ah non. J'ai bourré le... Ah oui. Ah oui. J'ai bourré l'attaquant pour pas qu'il puisse toucher le ballon. Tiens. Oh, joli. Ah but. Oui. Oh, magnifique. Magnifique. C'était de toute beauté, ce match. Ce but. Alors là, franchement, Bayer, non. Ah bah, il m'explose. Hein. Non. Juste avant la frappe. Je te comprends, mais... Bon. On y retourne. Alors, vous le remarquerez peut-être au niveau de notre stratégie de jeu, la mienne est assez statique, hein, je reste en milieu défensif pour une bonne raison. Mais je préfère qu'il soit là-bas parce que moi, je peux pas être à la fois en attaque et à la fois veiller à la défense. Oula, les lags. Non, c'est bon. Oui. Et... Pas suffisant. Non, à deux, niveau y a deux. Des... Bon, c'est pas grave. Parce qu'on a trouvé notre style de jeu, tout simplement. Je pense, hein, je pense que c'est le style de jeu assez définitif. Hein.
je sais pas ce que tu en penses, Fire. Oui, moi je suis assez là. Et il s'avère que je sais maintenant suffisamment être offensif, mais je suis un milieu défensif avant tout. Je suis fait pour être en défense, Firefly est fait pour être en attaque. Alors vaut mieux se partager le terrain à notre façon. Mais notre vous pouvez aussi partager gauche-droite. Hein. Voilà, notre style de jeu, c'est le nôtre qu'on a développé au bout de juste à peine quelques mois de jeu, quoi. À peine étant ironique. Ça met un temps fou. Voilà. Oh, belle passe. Je suis assez fier de moi. C'était de toute beauté. Magnifique passe de Firefly. Il vise le mur. Hop. Rebond. Je la récupération derrière. C'est classique. Ça demande pas 20 milliards d'années d'entraînement. Je l'ai envoyé chez le coiffeur. C'est juste, comme on parlait d'ailleurs hier, le problème pour marquer à Rocket League n'est peut-être pas tant la maîtrise que le timing en réalité. Ouais, c'est surtout ça. C'est vraiment ça, faut apprendre à avoir une espèce de montre. Un chrono dans la tête. Non, oh, dommage. Ah, je reculais en même temps, j'étais idiot. Ce qui fait que j'ai fait une... Je l'ai mérité. Il a fait un beau tir, mais voilà, je reculais juste avant. Première erreur, et deuxième erreur, je n'avais pas de nose. Alors moi je dirais première erreur, t'étais trop avancé. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. T'avais pas de nose. Oui, mais je... Moi mais regarde, quand je défends, tu vois où je suis dans le cas, je suis derrière le filet en fait. Enfin, derrière la ligne. Ce qui fait que normalement t'as plus d'espace pour pouvoir contrer en fait. Hop. Ouf. Voilà, j'en profite pour un petit peu le bourrer, hein, cette bonne guerre. Oh, tu le récupères ? Ah non ! Ah, dommage. C'est dommage. Il reste 2 minutes de jeu, il y a égalité, la partie se joue bien, elle est, cela dit, un peu tendue, puisque l'adversaire a la fâcheuse habitude de bourrer. Mais ça ne nous empêchera pas. J'y suis. Non, il va l'intercepter. Oh ! Mal interprété. Voilà. Encore une fois, pourquoi se forcer quand on peut utiliser la force de l'adversaire? Regardez ce qui vient de se passer. Il me suffisait de sauter. On a eu un peu de chance parce qu'il était mal reçu le ballon. Mais il faut, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur. Ce que je veux dire, c'est que quand on sent les défenseurs arriver, qu'on sait qu'on est coursé, on a tendance à vouloir accélérer, alors qu'en fait, il faut garder son calme. Et tenter. Le but ne doit pas rentrer, il ne rentrera pas. Ça peut paraître extrêmement con dit comme ça, mais une fois qu'on a intégré cette idée, tout est beaucoup plus simple et on garde son sang-froid pour faire de belles actions. Oh, dommage. Hop. Je prends. Tiens. Deuxième intention. J'aurais aimé, mais bon. Oh. Oh là. Attention, je suis derrière, c'est bon. Je suis en défense. Ça va être serré jusqu'au bout. Hein. On a plus qu'à défendre. Hein. Pas comme ça en tout cas. Putain, atterrir voiture de merde. C'est bon. Vous voyez aussi que je n'ai pas bougé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un moment où lorsqu'on sait qu'on est dépassé par les événements, il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour une erreur grave. Problème de cause. Ah. T'as perdu la partie ? Oula. Oh. Ah oui. Ah oui, le problème de cause. Ah oui. Oh là là. Il s'était passé quoi ? Je sais pas. les serveurs. Emballé, quoi. Les serveurs qui ont rendu l'âme. Vas-y, je t'en prie. Il essaie de me feinter également. Hop. Vous voyez, il s'énerve, il fait n'importe quoi. Il faut garder son sang-froid. Toujours. Une partie n'est terminée. Coup de sifflet. Ni plus, ni moins. Tombe. Ouf. C'était pas long. Ouais, on a eu de la chance. Ils se sont bien battus. Par contre, un côté qui était un peu ennuyeux, c'est le bourrage. Tout le temps à bourrer. Mais c'était une belle partie. C'était une belle partie et surtout... 6 tirs. Ah oui. Non, en tout, ils ont fait 10 tirs. Et on a fait que 2 arrêts. Hein. Donc ils sont pas hyper précis.
Mais c'est surtout... celui qui a fait le plus de tirs qui était le moins précis, l'expert. C'est, je pense que c'est ça qui était intéressant. On n'a pas cédé face à la pression. Et je pense qu'eux ont cédé au bout d'un moment. Ouais. C'est... On commence à rager, c'est très facile, je le sens tout le temps, tu le sens aussi quand on joue en dehors des enregistrements. Au bout d'un moment, on a envie de s'énerver. Et si on arrive à garder le contrôle du match, malgré la pression, on peut retourner une partie totalement. Là, on vient de le voir, le rapport de force était en notre faveur. Ils ont fait n'importe quoi, ils se sont énervés, ils ont fait au plus vite, alors que nous, on est resté posé et calme. Ça nous a assuré la victoire. Absolument. Ah. Absolument, absolument. Et tout de suite après, un autre match, le troisième, hein, donc ce sera peut-être... Oui, c'est le dernier. Le dernier, peut-être le passage en challenger. Mm-hmm. Peut-être, hein. Vous allez voir ça avec nous. On croise les doigts. On croise les noix. Ok, Firefly qui est au départ. Même configuration, on a notre style de jeu du coup. Hop, voilà. Je vais tenter quelque chose. Non, absolument pas. C'était très dangereux ce que je viens de faire. Et moi donc. Et non, je ne l'ai pas récupéré. C'était pitoyable. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, là, j'ai essayé, je me suis dit, j'ai de la place de placement. Non, il faut attendre. C'est ça le problème quand tu es au caisse. Toi, histoire de pas le ralentir, tu lui as encore donné de la vitesse. Ah oui, c'était poiture, tu vois. Le problème quand on est gardien, c'est qu'on est obligé d'attendre que la dernière action soit faite pour être sûr de savoir où va le ballon. C'est pour ça qu'en général, un bon gardien est celui qui est le plus réactif. Parce qu'il faut avoir des réflexes. Il faut réagir au dernier moment. Je te fais la passe. Non. Enfin non, si, c'était très bien fait, mais... Oula. Je suis en train de retourner acrobatique. Ok, j'ai tenté quelque chose, je suis pas très sûr de ce qui s'est passé. C'est bon, je l'ai. Bah au centre. Vas-y. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Ah bah... Oui, oh, c'est bien tenté. C'est bien tenté, Firefly a réussi ses contres. Ah, dommage. Je sais pas, bah, t'as pas tiré donc j'ai dû le faire quoi. Non, t'as bien fait. On a fait un mélange de. Là, de tu vois, lui, eux ils sont intelligents puisqu'ils. Il s'est pas précipité sur le ballon pour essayer de faire un contre. Enfin, pour essayer de l'amener, oui, correctement. En fait. Non. Pardon, excuse-moi. Pas du sous-sail. Hop là. Je suis dans les cages. Hop là. Ce Oula, match ça, va être très intéressant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont posés comme nous. Hop, ça sera pas suffisant. Pas suffisant et je manque de noz. Ça va se jouer au noz à tous les coups. Attends, je suis dessus. Vas-y, je prends le noz. Voilà. Parfait. Hop, j'ai tenté. Ça sera pas suffisant. J'essaie de récupérer du noz. Tu peux y aller. Et donc, vas-y. Mais si t'as ton noz ou pas? Non. Attends. Voilà. Va le prendre. Bon, j'ai dégagé le joueur, pas de balle. Hop là. Ah, non. J'ai raté. Ici. Ok, vas-y, tente. Non. J'ai bloqué un... Non, ça sera pas suffisant. Aïe. Ça sera pas suffisant. Le ballon est en l'air. Ok. Et... Ok, c'est bon, j'ai terminé. Ah, dommage. Ça sera pas but. Ah, si. Ah, c'est dommage. C'est dommage, il mérite un... C'était pas loin, franchement. Pas... Bah oui, c'était pas loin d'être pas cadré, hein. Regarde. Non, c'est... J'ai marqué un but sans faire de frappe. Ouais, bon, c'est dommage, franchement, il faut saluer. On peut pas en vouloir au défenseur. Il a tenté. T'as fait la même. Hein. Franchement... Sur le but qu'on a pris, tu as fait exactement la même. Sauf que nous, c'était cadré anyway. Oui, mais bon, voilà. Il n'y a pas à se moquer. Hop. Est-ce que j'ai c'est pour ça que je lui ai pas mis beau tir, mais merci. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. On connaît dans l'art du trollage. C'est genre, oui, mais voilà, c'est le genre de situation où la personne mérite absolument pas la moindre mais c'est là, non, moquerie. Ils sont que pros et ils ont un bon niveau. Oui, franchement, leur niveau. Ou alors, les niveaux ont augmenté, hein, mais je me souviens pas qu'on était, nous, si bons en pro. Je sais pas. Je suis dessus. Et au centre, oui. Ok, d'accord. Ah ben non. c'est pas grave. J'aurais dû l'écouter, mais je suis têtu. Hein. Ah non, mais on est tous les deux têtus. Je suis breton et basque. Mais c'est ça qui est le plus beau dans l'affaire. Et contre que j'ai complètement raté, tu peux y aller. Ouais, je
Hop. Oh, c'était très bien tenté de sa part. Le mouvement de retardement qu'il nous a fait était absolument magnifique. Hop, je suis revenu aux caisses. Aïe. Oh, pardon. Effectivement, t'es revenu aux caisses aussi. Je suis tenté un coup. Hop. Support. Je suis dans support. Ah, dommage. Oh, Bella. Hop là. Vous voyez, toujours chercher à faire des renvois latéraux, mais latéraux vers les murs. Vers les murs, pas vers les pas vers l'intérieur. Un renvoi, ah, non. Un renvoi latéral vers l'intérieur. C'est bien cadré, ça. Voilà, c'est bon. Toujours garder son calme. Et je l'ai même retouché derrière toi. Oh là là, cadré? Non. Non, 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 non. Dommage, c'était beau. Ce que je lui ai mis, il a tenté un contre en aérien, malheureusement. Pour une fois, j'ai été bien dessus. Non! Non! Hop! Ah! Vite, retourne défense. Hop là! C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'étais là. Vous voyez, j'ai vu que je perdais le ballon et qu'il partait de l'autre côté, enfin vers mes cages avec. C'est bon, donc, j'ai réussi. Tout de suite, j'ai dit, cette hop, retour en défense. Hop. J'ai tenté. Maintenant, je prends pas de risque, je reviens en défense. On sait pas ce qui va se passer. C'est à côté, c'est à côté. Hop! Hop là! J'ai dû la retoucher, désolé. Hop, je crois que c'est ça, ce jeu aux prolongations et au but en. Oui, non. Ah, peut-être. Cadeau. Non. Non. Oh, non, c'est dommage. Serré, hein. C'est serré. Le match va être magnifique. Franchement, le match est magnifique. Ça va être épique. La fin va être épique. Non et... Oh là 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 là. J'y étais. J'ai suivi le mouvement. Oh là 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 là. C'est dommage. Ah, oh, c'est dommage. Ah, dommage. Ah ouais, non, franchement. Oh là là. Ils ont bien joué. Oh, oh là 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 là. Toi aussi, tu t'es mis un barnage. T'es en relégation ou pas? Non, non, je peux pas. T'es toujours 5, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, on retourne au menu. Hein. Oui, pardon. Mais je te laisse conclure, Faya. Sur ce, les amis, merci de nous avoir suivis sur Rocket League. On avance petit à petit. Hein. Bon. Je vais regarder, classement. On n'est toujours pas challenger. Enfin, je suis challenger. Firefly ne l'est toujours pas. Ah, c'est la classement. Mais normalement, actuelle. Normalement, cette fois-ci, vu l'avance qu'on a pris. Comment on peut voir le nombre de points qu'on a? C'est une excellente question, mon cher Firefly. Je te dirai extra et. Non, pas statistique. Extra et classement. Extrait classement. Non, mais parce que moi je veux le classement en double. Oui, moi aussi. Et cela dit en passant, le premier buteur a 26 000 buts à son actif. Hein. Du coup, je regarde les classements de ligue. Oui, classement en bas pour entrer dans le top 100 en fait. Histoire de vous faire un petit point régulièrement. Et on n'y est pas. On n'y est pas du tout. 1620 points pour être classé. Et je ne sais pas combien de points nous avons. En tout cas, je suis Challenger 1. Firefly, lui, est toujours Espoir Elite, mais il est sur le point de passer Challenger. Ouais, encore deux matchs classés, je sais pas si ce ne sera pas cet épisode, mais l'épisode d'après, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Le prochain objectif, maintenant, ça va être de tenter tout simplement la montée dans les Challengers. Hein. Il nous reste tout le Challenger à monter, étoile montante. Si on finit superstar ou champion. Autant vous dire qu'on va avoir besoin de soutien. Ah, il y a deux soutien. Fois le rang champion d'ailleurs. On va avoir besoin de soutien et même de beaucoup de soutien. Ouais. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le NOS. N'hésitez pas à commenter les vidéos, ouais, à ajouter vos conseils, vos liens, vos vidéos. Ça nous fait toujours très plaisir de savoir ce que vous donnez. N'hésitez pas à partager vos contenus. En attendant, likez notre page Facebook, aimez la vidéo. Twitter, Facebook, notre Twitch aussi. N'oublions pas le Twitch où nous faisons des lives tous les deux jours. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très vite à tous. Pour de nouvelles aventures sur Rocket League. Allez, salut. Tchou.